Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, il faut que je prenne un petit peu des couleurs parce que là je suis vraiment blanc et c'est pas très joli. Donc, et ensuite je vais vous amener à la salle Elevation Fitness que vous commencez à connaître pour une séance d'épaule plutôt orientée sèche, même si c'est vrai que ce soit pour la sèche ou la prise de masse, l'entraînement ne diffère pas beaucoup parce que c'est vraiment la diète et le cardio qui font tout au niveau de la sèche. Mais c'est vrai qu'en sèche, je préfère quand même utiliser un peu plus de techniques d'intensification de l'entraînement et notamment des supersets, des biceps, etc., etc. Et bien sûr du cardio et notamment du cardio. Donc tout ça, je vais vous le montrer. Et ensuite, ce soir, ça sera direction le Miami American Airlines Arena pour un match de basket. Donc merci à mon poteau Alexandre Cormon, je ne sais pas si vous le connaissez, coach en développement personnel qui est un super pote et qui a fait du basket à haut niveau pendant très longtemps. Donc merci poteau pour ses places. Donc ce soir c'est les Miami Heat contre les Suns de Phoenix. Je vais essayer de filmer pour vous montrer un petit peu comment ça se passe les matchs de basket aux États-Unis. C'est assez phénoménal. On va voir si je peux filmer un petit peu. En tout cas, voilà, c'est parti les amis, rejoignez-moi. La bête ici c'est le maximum, c'est du 93, il n'y a pas plus. On voit que ça c'est tout seul. J'avais oublié, faut pas habituer à la France. Ouais, c'est ça. Plein complet, on est à $38.60, ce qui fait à peu près 30 euros. Bon, après, aux États-Unis, c'est vrai que l'essence c'est pas cher, les voitures c'est un peu moins cher aussi qu'en France, il n'y a pas non plus de taxes pollution et tout ça. Mais par contre, la vie en général à Miami c'est quand même un petit peu plus cher qu'en France, donc au final, dans l'autre, ça revient quasiment au même quoi. Prête pour ce soir? Allez, je teste. Tu sais pas faire en fait. Tu s'échauffe pour la séance des pommes. C'est un échauffement comme un autre. Je vais voir avant la séance d'épaule pour vous donner un petit coup de boost. Allez, c'est parti. Un exercice de pré-fatigue. Donc là c'est à la machine, à élévation latérale machine, c'est vraiment pas mal ça là. Donc si vous l'avez pas, ben, vous pouvez très bien le faire aux haltères. Voilà, je ressens un petit peu mieux qu'aux haltères, mais bon je varie de toute façon. Là c'est une pré-fatigue, je fais 5 séries de 15 à peu près. Thank you.
fonctionne par le développé assis à la machine ici, convergente. C'est parti. Facile, c'était juste la chose là. Je garde toujours quand même un exercice assez lourd, même en sèche, parce qu'en fait c'est un bon moyen de voir si vous perdez de la force ou pas. Et si vous perdez de la force trop rapidement, c'est que la diète n'est pas adaptée, que la diète est trop stricte, que vous n'avez peut-être pas assez de glucides, pas assez de lipides, tout ça. Donc voilà, ça permet un petit peu de jauger. Donc je garde toujours au moins un exercice lourd. Donc là, c'est celui-là ici aujourd'hui, parce que je peux prendre lourd sans risque, c'est une machine convergente. Et voilà, je ne peux pas me faire mal entre guillemets. Donc à chaque fois que j'augmente le poids, je diminue le nombre de répétitions, logique quoi. Et j'augmente un petit peu le temps de récup aussi. Là je vais encore ajouter une plaque de chaque côté. On va tenter avec 5 plaques de chaque côté. 5, 5, 10, ça fait 100 kg de chaque côté. 200 kg, on va tester. À mon avis, 4, 5, si j'arrive, ça va être bon. Oh. Pour la dernière, je vais diminuer le poids. Je vais essayer de faire 5 d'un côté, 5 de l'autre, 5 ensemble. Allez!
quatre machines qui peut servir à la fois de faire les trapèzes, soulever de terre, squat, pump. C'est génial. On va finir cette séance par un peu de hit cardio, des splits avec le chariot, j'aime bien. C'est top, mais c'est épuisant. Allez. On va trouver un coin sympa pour manger. Pas un nuage. On se met à l'ombre du panier. On voit même les poissons. Hein ? On voit même les poissons. Ouais. Il n'y a pas un crocodile. Là, il y a... Sinon, là ou là-bas, il y a un morceau. Là, on peut s'asseoir là. Ouais. Au bord. Ouais, à l'ombre. C'est top. Ah, c'est trop bien. On va regarder ce qu'on a pris. Alors, celui-là, c'est lequel? C'est pour moi? Je sais pas. Ouais, je crois, ouais. Toi. Donc, celui-là, c'est blanc poulet avec patates douces et c'est quoi? Haricots? Ouais. Ouais. Donc c'est 364 calories, donc c'est assez light quand même. 46 grammes de protéines, 30 grammes de glucides, 4,6 grammes de lipides. Donc c'est assez léger, mais voilà, ça fait ça. C'est assez léger, mais au moins ça me garde un petit peu de calories pour ce soir. Si jamais au match je fais un tout petit excès, au moins ça n'impactera pas. Oui, parce qu'il faut dire qu'au match, les tentations sont fortes. C'est clair, au match... Au match de basket, les tentations sont fortes, mais comme partout aux États-Unis. Et toi, t'as pris, fais voir. Moi, j'ai pris viande rouge avec. Par contre, toi, c'est plus calorique, hein. Parce que toi, il faut que tu prennes, des pâtes. Moi, c'est 469 calories. Ouais. Toi, il y a 54 grammes de prot, ouais. 13 lipides, 34 et quelques de glucides. Donc, plus de calories que moi. Mais on les a achetés à la salle, ces repas, parce qu'en fait, à notre salle, ils proposent des repas comme ça. Ouais, c'est bien pratique, d'ailleurs. Et on les a mis au micro-ondes avant d'arriver là. Fais voir. En même temps, tu manges plus aussi, parce que tu fais quasiment pas d'enca. Ouais, un petit enca dans la... Tu fais un petit enca dans l'après-midi, mais ouais. Bon, c'est léger, quoi. C'est très light. Oui. Et du coup, c'est pour ça qu'il te faut un peu plus de calories dans tes repas solides que moi, qui fais un peu plus d'enca. Et puis toi, t'as un métabolisme rapide, t'as de la chance, alors que c'est pas le cas de tout le monde. Bon, allez. À l'attaque. Après ce bon petit repas au soleil, les amis, il est temps d'aller se préparer pour aller au match de basket. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Aux États-Unis, les matchs de la NBA, c'est vraiment du grand spectacle. Donc voilà, j'ai hâte d'aller voir tout ça. Et j'essaierai de vous filmer tout ça avec mon téléphone parce que les caméras sont pas autorisées là-bas. Et puis c'est quelque chose que j'adore aussi parce que c'est vrai que j'ai été il y a 10-15 ans préparateur physique de l'équipe ProA de volleyball de Montpellier. Et c'est vrai que c'est assez similaire au niveau de la préparation physique entre le basket et le volley, notamment avec beaucoup de travail de pliométrie et tout ça. Donc c'est vrai que c'est super intéressant aussi pour moi. Donc voilà, je vais essayer de vous filmer un petit peu quelques images et je vous retrouve là-bas.
Et aussi, super nouvelle les amis, je serai présent au salon du fitness, donc le samedi 16 mars et dimanche 17 mars sur le stand de Larocque. C'est un équipementier sportif avec des super machines de musculation et tout ça. Et je serai avec Jameau, J'aime Corps des Z, et avec Frédéric Delavier. Donc on va vous retrouver là-bas, on va essayer aussi de faire du coaching de groupe le samedi notamment, ça va être génial. Et puis aussi je serai sur l'espace dédicace le dimanche de midi à 13h. Donc voilà, c'est l'occasion de se rencontrer, de faire des photos, de pouvoir discuter et tout ça. Donc voilà, je vous y attends très nombreux les amis. Et puis ben, on se retrouve au match de basket. Allez, à toutes. Même si on n'est pas super fan du basket, il faut vraiment aller voir les amis, c'est un spectacle de fou. Moi j'aime bien. Non mais moi aussi, mais je veux dire, même pour les non super fans, ouais. C'est vraiment à voir. Hello!